Avant de commencer, un petit tuto pour mieux apprécier la vidéo. Donc vous pouvez mettre pause et faire lecture, mais vous pouvez aussi modifier la vitesse de la vidéo. Si vous pensez que je vais trop vite, vous pouvez ralentir le débit. Si cela ne va pas assez vite, vous pouvez augmenter le débit. Ensuite, si vous voulez couper la lecture en plusieurs fois parce que vous trouvez la vidéo trop longue, il y a un chapitrage qui est présent dans la présentation de la vidéo. Donc, vous pouvez directement aller au chapitre sur lequel vous vous êtes arrêté. De temps en temps, il y a des compléments d'information. C'est quand il y a le logo i. Donc le logo information qui apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez cliquer dessus et le mettre dans un autre onglet en attendant de finir la vidéo. Ou vous pouvez mettre pause et aller regarder l'autre vidéo également. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans un point histoire de la philosophie. Le sujet qui m'intéresse ici, c'est la secte et l'école pythagoricienne. Le terme secte vient du latin secta, qui traduit le grec hérésis. Une hérésie est une doctrine, c'est-à-dire un courant de pensée. Aujourd'hui, nous comprenons la secte avec un sens péjoratif. Mais à l'origine, le terme était synonyme d'école. Nous étions autant membres de la secte pythagoricienne que disciples de la secte platonicienne, aristotélicienne, épicurienne, etc. En réalité, le terme secte est devenu péjoratif avec la criminalisation de l'hérésie par l'Église catholique à partir du Moyen Âge. Cela avait pour objectif de désigner les discours qui déviaient des voies officielles. Ainsi, la secte, tout comme l'école, propose de suivre une certaine éducation et certains enseignements. On peut alors se demander, qu'est-ce qui distingue l'école de la secte? Je vais développer cette vidéo en quatre parties. La première, ce qu'est une secte. La deuxième partie, le mode de vie pythagoricien. La troisième partie, la sélection et l'exclusion du pythagoricien. Et la quatrième partie, les principes pythagoriciens. Et je vais bien entendu finir sur une bibliographie. Première partie, ce qu'est une secte. La secte est un mouvement marginal, un mouvement minoritaire au sein d'une société. Elle se présente même comme une alternative à cette société. Généralement, cet aspect est lié à la mise à l'écart de la secte et par conséquent à l'isolement de ses membres. Il y a un mode de vie différent qui est revendiqué. Jusque-là, cela peut se penser comme le droit des individus à suivre leurs pensées. Ce mouvement s'organise autour d'un chef, que l'on appelle aussi un gourou. Il est le représentant de la secte et de l'image qui est véhiculée dans la société. La secte se caractérise autant pour l'adhésion idéologique qu'elle demande, que pour le respect ou la dévotion envers son chef. Celui qui s'écarte du chef est banni. Les membres de la secte forment une fraternité. Ils sont solidaires. C'est ce que l'on nomme une sodalité, confrérie si on reprend l'étymologie. Cette sodalité se caractérise par son autonomie ou son autarcie, liée également à sa marginalisation. Elle se doit d'être autosuffisante pour ne pas avoir à rendre des comptes à la société. Pour préserver cet isolement et l'imperméabilité entre la secte et la société, il y a l'idée de sélectionner les individus qui peuvent adhérer ou non à cette idéologie, ou plutôt à ce mode de vie. Tout individu ne peut pas comprendre, apprendre et penser tout type d'idéologie. Il y a des différences de nature entre les hommes. Ces distinctions entre les hommes permettraient de créer une hiérarchie sociale. Chaque individu va avoir un rôle différent et un statut différent. C'est un fonctionnement nécessaire si on veut faire fonctionner l'autarcie et l'autonomie de la sodalité. C'est en toute logique que l'on reconnaît que la secte repose sur une vision sociale, politique et philosophique différente de la société. La secte, c'est aussi une emprise sur les individus, et pas seulement une caractérisation sociale. L'individu qui intègre une secte est sans cesse infantilisé. Il n'est jamais assez mature. Il est soumis à de nombreuses règles et à des pressions tant sociales que psychologiques. L'individu est surveillé et testé. Il aura des charges à remplir, ce qui rendra cet individu indispensable à la secte, ne serait-ce que dans son esprit. Pour cela, les sectes mettent en place un certain nombre de rituels. Ces rituels sont autant liés à la pratique sectaire qu'au respect d'une certaine spiritualité. En dehors de son fonctionnement marginal, la secte propose une voie spirituelle. Elle peut être religieuse ou non. Les membres sont sélectionnés également sur leur adhésion à ces croyances. La secte opère ce que l'on appelle une sotériologie, c'est-à-dire une étude du salut de l'âme.
Ceux qui n'adhèrent pas aux croyances ne peuvent pas être dignes des enseignements ou ne seront pas capables de les assimiler. Cela donne lieu à de l'ésotérisme. Les enseignements ne sont pas forcément mystiques. L'ésotérisme désigne simplement l'accès limité aux initiés des divers contenus transmis. Une initiation, par définition, signifie que tout le monde ne peut pas acquérir la science dont il est question. Initiation vient de initium, en latin. Cela signifie commencement. C'est l'idée qu'il y a des présupposés à l'accès aux enseignements. On sait que les individus vont être sur la bonne voie. La secte va passer les possibilités latentes des individus de la puissance à l'acte. L'individu a des capacités que la secte va pouvoir exploiter, entraîner, développer, etc. Celui qui va décider si le postulant a un tel potentiel, c'est le chef ou des membres éminents de la secte. Pythagore, par exemple, pratiquait la physiognomonie, c'est-à-dire la lecture de la personnalité et de l'âme de quelqu'un sur les traits du visage, du corps et dans la manière de se comporter et de se tenir. Les individus étaient contraints à une totale maîtrise de leur corps. Tout cela est agrémenté du secret, de l'interdiction de divulgation de la doctrine. D'ailleurs, une secte se reconnaît à ses pratiques inconnues de la société ou du grand public. C'est en ce sens que l'on présuppose que les activités sectaires sont interdites ou criminelles. Cela participe à leur condamnation. C'est un indice du rejet mutuel de la secte et de la société. Les membres de la secte se regroupent alors autour d'un lieu commun, d'une activité commune et d'une idéologie commune. La diversité n'existe pas dans la secte. Cela donne lieu à de nouvelles pratiques qui seront un moyen indirect de diffuser la doctrine, de telle sorte qu'un individu qui n'appartient pas à la secte est incapable de comprendre certains enseignements. C'est l'implication de ce que l'on appelle le symbolisme. Dans sa forme, la secte est un milieu contraint. Cela ne semble pas être compatible avec ce que serait l'école. C'est simplement un mode de vie et un mode d'enseignement et d'éducation différent. La secte semblerait même être une alternative presque légitime. Mais qu'en est-il? Comment cela se traduit-il pour la secte pythagoricienne? Deuxième partie, le mode de vie pythagoricien. Le pythagorisme était un courant minoritaire et était dénigré par la société de l'époque. Néanmoins, des figures politiques étaient intriguées et se sont intéressées à Pythagore. Malheureusement pour elles, le pouvoir politique n'était pas un avantage ou un passe-droit pour entrer dans la secte. Cylon, noble de Crotone, a été banni par les pythagoriciens. Il s'opposera alors aux philosophes et pensera que la secte présentait un programme anarchiste. Cette idée était soutenue parce que Pythagore proposait de bousculer toute la législation alors en place. Au contraire, le grand public pensait que Pythagore était un censeur, puisqu'il demandait à la population de privilégier un mode de vie ascétique. Ainsi, les membres de la secte pythagoricienne étaient exclus idéologiquement. Les pythagoriciens n'étaient pas mis à l'écart par simple plaisir de la ségrégation. Outre l'idéologie, la secte proposait un mode de vie complètement différent du mode de vie grec ou italiote, c'est-à-dire grec immigré en Italie. C'était une véritable sodalité. Les échanges entre pythagoriciens et la société étaient peu nombreux, mais il n'y avait pas d'imperméabilité. Pythagore voulait maintenir une influence dans la société, mais le mode de vie excluait de facto la majorité de la population. Il y avait un programme strict. Il fallait se lever avant le soleil. Le matin, il y avait une promenade en solitaire, dans un milieu calme ou dans un temple. Il ne fallait rencontrer personne, sinon c'était source de perturbations. Ensuite, il y avait le début des enseignements dans les temples. Plusieurs heures par jour étaient dédiées à la pratique sportive. Elle était adaptée en fonction de la physiologie et de la capacité des individus, mais aussi en fonction des rôles dans la communauté. Le sport se pratiquait nu et le corps enduit d'huile. Au choix, la course, la lutte ou le lancer de poids. S'ensuivait le déjeuner composé de miel et de pain. La consommation de viande et d'alcool proscrite. Seuls certains sportifs étaient autorisés occasionnellement à consommer de la viande rouge. Les maîtres de la secte discutaient ensuite de l'organisation de la société et des divers membres en fonction des enseignements. Le soir, il y avait des promenades et des groupes de réflexion selon les affinités des membres. Le but était de se remémorer l'ensemble des apprentissages du jour et d'assimiler les différents résultats des études. Le pythagoricien prenait ensuite un bain, toujours seul et avant le repas, contrairement à la tradition grecque de l'époque où les bains se prenaient en groupe. Le repas du soir était commun, mais pas plus de 10 par tablée. Il devait être terminé avant la tombée de la nuit. S'en suivaient des prières, des offrandes, etc. Avant d'aller se coucher, il y avait une dernière prière et des lectures choisies par les anciens, mais lues par les plus jeunes. Ensuite, chaque individu devait procéder à un examen de conscience où il se remémorait la journée et là, la consommation d'alcool était autorisée, mais avec modération.
Ce sont des pratiques et des rituels qui renforçaient la solidarité entre les membres de la secte. Un tel mode de vie était accompagné d'une surveillance mutuelle des membres de la secte et des maîtres. Il était plus aisé pour les pythagoriciens de s'isoler géographiquement pour pouvoir suivre ce mode de vie. Pythagore était venu à Crotone. Il y est venu à un âge avancé, il avait environ 40 ans. La cité était réputée dans l'Antiquité pour ses sciences et sa médecine. La cité était entourée de murailles et dénotée par sa salubrité, par sa propreté et par le mode de vie des habitants qui se rapprochait un peu de ce que prônait Pythagore. Il y avait également une certaine mixité culturelle. La cité était riche et il y avait de nombreux commerces. Ces éléments plaisaient aux philosophes, ils comptaient influencer la société. Il est à remarquer que la secte pratique ce que l'on appelle aujourd'hui du lobbying, c'est-à-dire un état de groupe de pression qui cherche à valoriser ses intérêts et sa subsistance. La secte avait donc une visée politique en plus de sa philosophie et de sa spiritualité. La défiance de la société envers les sectes se construit autour de l'idée du culte du chef. En effet, de manière commune, les sectes sélectionnent les individus qui se montrent influençables ou avec des faiblesses psychologiques qui recherchent la stabilité que propose un chef ou un gourou. Il ne faut pas confondre l'adhésion à une secte avec la radicalisation. Elles n'ont de commun que l'hermétisme idéologique et le mode de vie. La radicalisation est un soutien plus ou moins violent d'une idéologie qui résulte d'un retour sur un texte, une idéologie ou une religion se fondant sur un sens perdu, l'idée d'un retour aux origines ou qui serait une mésinterprétation. L'idéologie sectaire n'est pas violente et ne demande pas de violence. Elle se compose autour d'une spiritualité construite à la marge de la société, mais pas sur le retour d'une religion qui serait déjà acceptée ou utilisée par une partie de la société. Cette définition est également soumise à la législation des différents pays. Par exemple, les témoins de Jéhovah sont une forme de radicalisme religieux chrétien, parce qu'ils souhaitent une restauration de la religion comme elle serait présentée dans la Bible. Mais en France, par exemple, ils ne sont pas reconnus comme une secte, mais ils sont sous la surveillance des divers groupes gouvernementaux de lutte contre les dérives sectaires. La qualification de dérive sectaire permet de condamner certaines pratiques sans pour autant caractériser un groupe de secte au sens strict. En revanche, le pythagorisme serait pensé aujourd'hui comme une secte au sens strict, du moins en France. Le pythagorisme n'est pas violent, ne prône pas de relecture de textes. Il s'agit d'adhérer volontairement et sans prêche à un processus spirituel et intellectuel en vue d'atteindre un état contemplatif, c'est-à-dire un accès à la connaissance et à un mode de vie considéré adéquat pour l'homme. Si le postulant n'adhérait pas, il n'était pas intégré à la secte, mais il ne faisait pas l'objet d'une conversion. Une secte n'est pas non plus, au sens strict, une société secrète, même s'il y a un manque de perméabilité des pratiques et des enseignements. Ce serait un abus de langage. Le pythagorisme, contrairement aux sociétés secrètes, ne fomente pas une substitution à la législation de la société, ne propose pas de lutter contre des idéologies ou des oppressions venant de l'étranger, ne se considère pas comme sauveteur de l'humanité ou de la société. La société secrète se pense souvent en lien avec la conspiration. Ce n'est pas le cas pour la secte. Le mode de vie pythagoricien se présente comme une exclusion de la société. Mais est-il possible de penser l'exclusion des membres de la secte qui ne conviendraient plus à la doctrine? Troisième partie, la sélection et l'exclusion du pythagoricien. Les pythagoriciens mettaient en avant l'excellence et l'effort, surtout en ce qui concerne l'étude. Il s'agissait également de faire preuve d'une maîtrise complète de son corps. Pythagore pratiquait la physiognomonie. Il observait les postulants, mais aussi les proches du postulant, tout en se renseignant sur les ancêtres si c'était possible. Il fallait faire attention à son attitude en public, mais il s'agissait aussi de faire preuve de bonnes mœurs en privé. La physiognomonie demandait à ce que le postulant maîtrise les inclinaisons naturelles de son corps, allant jusqu'à retenir un cri d'effroi lors d'une situation de surprise. Il fallait également garder le silence et ne plus interagir avec ses proches. Cette période d'observation durait environ 3 ans. C'est après une décision collégiale de Pythagore et des autres figures de la secte que le postulant était autorisé ou non à assister aux enseignements. Mais l'observation ne cesse pas pour autant. Le postulant devenait disciple exotérie, c'est-à-dire devant le rideau, pendant une durée de 5 ans environ, possiblement plus. Le disciple devait toujours garder le silence, mais il pouvait se rendre au temple et assister aux enseignements en tant que simple auditeur, sans interaction possible avec les autres membres, ni avec les maîtres, il ne pouvait pas voir, il pouvait simplement entendre. Cela se traduisait physiquement par un rideau devant lequel il devait rester. Il ne pouvait pas passer derrière et assister au cours. Le disciple n'est pas encore initié. C'est après cette longue période de probation que le postulant pouvait devenir disciple ésotérique. L'individu passe devant le rideau. Il peut interagir avec les autres
et il peut voir les maîtres s'exprimer. Il était aussi invité, en réalité obligé, à mettre en commun toutes ses richesses personnelles, toutes ses propriétés et toutes ses sources de revenus. Il devait également inviter sa famille à s'isoler et à participer à la communauté, s'excluant, de fait, du reste de la société. Simone Jacquemart, dans son livre « Trois mystiques grecs, Orphée, Pythagore, Empédocle », écrit « Là où sont enseignées toutes les espèces de connaissances que le voyageur de Samos a pu recenser, et dont les interférences, même le caractère complémentaire, accroissent la portée, arithmétique ou théorie des nombres, géométrie, astronomie, sciences de la musique, physiologie, médecine, géographie, physiognomonie. Bien entendu, ce qui caractérise la spéculation pythagoricienne en lui donnant toute sa valeur, c'est d'abord l'esprit de synthèse résultant de ses rapprochements féconds. Esprit de synthèse dont l'exercice est à la clé de tout progrès humain, les vues n'étant plus fragmentaires, arbitrairement séparées, mais côté à côté s'éclairant l'une l'autre, c'est-à-dire à l'inverse des démarches de notre propre siècle. L'exercice de toutes ces disciplines ne se concevait que sous surveillance, celle du maître organisant, contrôlant la croissance particulière de chacun de ses disciples. Il fallait donc une règle commune, comme cela se pratique dans nos monastères. L'hétérie devint un lieu d'étude et de prière. Il s'agissait dans la secte pythagoricienne de reconstituer l'étendue de ce qu'avait pu apprendre Pythagore lors de ses voyages initiatiques. C'est lié à toute une conception spirituelle et philosophique. Les monastères, ou les hétéries, ne sont pas que des lieux de culte ou de prière, ce sont aussi des lieux d'apprentissage et d'enseignement. Il y avait différentes salles, certaines réservées uniquement aux prêtres ou aux maîtres de la secte. L'enseignement sectaire est donc présenté comme une connaissance transcendante. Il s'agissait d'accueillir une gnose secrète. L'assimilation de ces connaissances n'était possible que pour ceux qui étaient vertueux, qui parvenaient à suivre les règles de vie communautaire. Si on ne convenait plus ou si on ne souhaitait pas continuer à vivre dans cet environnement contraint, on était banni de la secte. On pouvait être banni également pour avoir divulgué des points de doctrine, ou encore suite à un défaut du recrutement. Le bannissement faisait que nous étions considérés comme morts par les membres de la secte. Il y avait même une stèle érigée au nom du camarade disparu. Toute interaction entre l'ancien membre et la secte était proscrite. En partant de la secte, nous pouvions récupérer tous les biens et toutes les richesses que nous avions mis en commun lors de notre adhésion. Malheureusement, il y a peu de témoignages allant en ce sens. L'un des membres imminents de la secte fut banni, Hippase, pour ne pas avoir respecté les principes de la secte et pour avoir divulgué les points de doctrine. Il mourut lors d'un voyage en mer. La légende veut que ce soit foudroyé alors qu'il était sur le pont, comme une punition divine. Quels sont les principes et les pratiques éducatives de la secte pythagoricienne? Quatrième partie, les principes pythagoriciens. Le principal principe de la communauté pythagoricienne était « tout est commun entre amis ». C'est à comprendre autant sur un plan philosophique que matériel. La communauté ne pensait pas seulement la redistribution de toutes les richesses dans l'intérêt des membres. Il s'agissait aussi de partager les tâches, le travail, les fruits du travail, etc. La communauté se forme autour de termes comme « camarade », terme d'origine militaire qui rejoint l'idée de sodalité. Tout individu ayant des intérêts et des affinités différentes, il y avait une hiérarchisation. Il y avait donc plusieurs niveaux d'initiation. Le pythagorisme reconnaît deux branches, les mathématiques et les acousmatiques. Les premiers à l'image de Pythagore et les seconds à l'image d'Hippase. Les mathématiciens étaient pensés comme les vrais pythagoriciens. Ils se consacraient aux études théoriques, suivaient rigoureusement les doctrines de la secte. Ils avaient un régime alimentaire particulier et une hygiène de vie irréprochable. Ils protégeaient leur âme avec plusieurs heures de sport par jour. Les acousmatiques étaient des initiés dévoués à l'administration de la communauté et aux doctrines pratiques, c'est-à-dire politiques, morales et religieuses. Ces derniers n'étaient pas soumis à l'exhaustivité des enseignements. Les doctrines des acousmatiques étaient dispensées sous forme orale. Acousmatique vient du grec akousmata, les choses entendues. Les mathématiciens établissaient les préceptes, les sciences, l'organisation des connaissances et les innovations au sein de la communauté. Les acousmatiques se chargeaient de l'application des préceptes et de la gestion politique et matérielle de la communauté. La non-divulgation des doctrines est le premier principe dont nous pouvons parler. Il y avait une stricte interdiction. En plus de cela, l'enseignement n'était pas sur le mode informatif. Il y avait l'emploi du symbolisme. Les propos ont un double ou un triple niveau d'interprétation. Cela permettait aussi aux pythagoriciens de s'exprimer en public sans crainte, les profanes pouvant accéder à une doctrine générale sans incidence pour la secte, alors que les initiés pouvaient comprendre autre chose. Ainsi,
La secte et l'école ont un rôle commun dans le cadre de la philosophie pythagoricienne, qui est la transmission de certaines valeurs, de certains enseignements, et dans sa hiérarchie. Mais sur la forme, le pythagorisme est sectaire, ainsi que dans la pratique même de son mode de vie. Je vous propose une bibliographie pour approfondir les points que j'ai survolés dans cette vidéo. Pour connaître les dogmes ou les principes de Pythagore et de la société pythagoricienne, il y a les vers d'or, que l'on attribue à Pythagore, disponibles gratuitement sur Internet. Pour l'aspect sectaire, je peux vous conseiller un documentaire de Berthillier et de Voileau, Sectueuse, le miroir aux alouettes. Il est disponible gratuitement sur YouTube. Je peux vous conseiller également l'introduction à la vie de Pythagore de Jean Blic, écrite par Luc Brisson et Alain-Philippe Segond. Pour plus d'informations sur ce qu'est ou ce que sont les sociétés secrètes, je vous conseille Les sociétés secrètes de Serge Hutin. C'est un que sais-je, numéro 515. Je vous conseille un livre sur le mysticisme et la philosophie pythagoricienne, Simone Jacquemart, Trois mystiques grecs, Orphée, Pythagore, Empédocle. Pour plus d'informations sur la vie de Pythagore, je vous conseille bien évidemment Vie de Pythagore de Jean Blic. Je vous conseille également Pythagore et les pythagoriciens de Jean-François Mattei, en que sais-je, numéro 2732. Pour l'implication de la secte, de la philosophie dans le milieu social et politique, je vous conseille le livre de Maxime Rodinson, de Pythagore à Lénine. Et enfin, si vous voulez plus d'informations sur la physiognomonie, je vous conseille le livre de Chemani, Le précis des sciences magiques, le tome 3, qui s'appelle Chiromancie, physiognomonie et graphologie. Merci d'avoir été à l'écoute, et à bientôt.